Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction ligne. Cette fonction va nous permettre de récupérer le numéro de la ligne d'une référence ou par défaut la cellule contenant la fonction. Par exemple, si je fais ligne ici, sachant que je suis sur la ligne 17, il va me donner en fait 17 parce que je suis sur la ligne numéro 17. Du coup, par contre, si je fais ligne d'une référence, et là, je vais prendre la référence I23. Il me dira que I23, ça se trouve sur la ligne numéro 23. Utiliser comme ça, cette fonction n'est pas du tout trop intéressante. On va essayer de l'utiliser dans une formule. On va essayer de l'utiliser ici pour créer un petit calendrier. Et pour faire ça, je vais utiliser la fonction date. L'année, ça sera l'année 2022. Le mois, ce sera, je vais mettre 1 pour avoir le mois de janvier, ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Et là, pour le nombre de jours, c'est là que je vais utiliser la fonction ligne. Et comment je vais l'utiliser? Je vais faire par exemple égale ligne. Si je fais ligne, là, sachant que je suis sur la ligne numéro 4, il va me donner 4. Si je fais moins 3, il va me donner 1. Là, j'aurai le premier jour. Et si je glisse ici, j'aurai 2, 3, ainsi de suite. Du coup, il va me générer le nombre de jours jusqu'au 31 janvier. C'est ça que je vais faire ici. Du coup, je me mets ici, tout en haut. Déjà, je vais changer ça, je vais le mettre sous format date. Comme ça, on aura les résultats sous format date. Égale date, l'année, on va mettre 2022. Le jour, le mois, on va mettre le mois de janvier. Et ligne, je vais faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Moins 3. Et là, il va me donner le 1er janvier 2022. Ici, je glisse. Ça va me donner les autres jours, le 2 janvier, le 3 janvier, ainsi de suite. On peut l'utiliser ici pour avoir le mois de février et jusqu'au mois d'avril. On pouvait même utiliser la fonction colonne ici pour que ça soit plus simple. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction.